En général, quand ça va pas, je suis pas quelqu'un qui va gueuler tout de suite. C'est pas quelqu'un qui, je suis pas quelqu'un qui va me prendre la tête. Non, je suis un monsieur assez cool. Et voilà, naturellement, quand je suis peut-être dans mon métier, dans un restaurant où c'est pas comme il faut, mais je vais pas faire un plat. Alors écoutez, alors là je suis pas du tout fan ou je suis pas du tout là-dedans. J'ai même pas mon Facebook, hein, j'en voulais pas. Et j'ai tellement de choses dans ma vie que je veux pas trop me casser la tête. Non, je ne profite pas pour faire mes achats en Allemagne. Je suis déjà tellement pris que souvent pour m'acheter, par exemple, des vêtements, ben c'est pendant les 2, 3 jours de vacances que j'ai. Un petit peu. Je mange des produits allongés parce que j'ai besoin absolument de maigrir. Je consomme des produits bio, bien sûr, avec grand plaisir. Quoi? Autant des légumes que même du vin. Écoutez, moi je suis aux bouteilles parce que c'est des eaux minérales, je sais pas, j'ai mes eaux parce que moi je trouve il y a des eaux qui ont un certain goût que j'aime pas, j'ai certaines marques que je veux pas boire parce que je n'aime pas. L'eau du robinet, j'en bois aussi, mais je veux dire que c'est très rare que moi j'ai l'habitude d'avoir deux marques d'eau minérale régionale que je consomme régulièrement. Absolument, bien sûr. Aujourd'hui, il faut faire attention à tout et je suis un peu comme tout le monde, hein, on fait très attention au niveau de beaucoup de choses qui peuvent nuire à notre planète. Alors, mes loisirs, ce sont mes animaux. Alors, comme je ne peux pas partir beaucoup en vacances, j'ai à la maison j'ai une grande propriété où j'ai un grand parc avec beaucoup d'animaux, aussi bien des ânes miniatures que des petits poneys, que ce soit aussi des poules. J'ai tous les jours mes œufs frais, j'ai des canards, des oies, des lapins. Bah, il faudrait savoir encore qu'est-ce qu'il y a sur cette île. Est-ce qu'il y a de l'eau? Ah oui. Je sais pas, un objet, il y en a qui me parlent de livres, il y en a qui me Ah, parlent. d'accord. Oh, écoutez, je pense qu'il faut d'abord voir pour survivre, hein. Ah, j'ai jamais réfléchi à ça. Première question, comment est fait ce monde? Où ça s'arrête? Des choses qu'on ne s'explique pas aujourd'hui, que lui peut nous renseigner. Voilà ça.